En 2050, 70% de la population mondiale vivra dans les villes. Or, ces dernières sont déjà à l'origine de 70% des émissions de carbone de la planète. Ce constat oblige les décideurs locaux à prendre à bras le corps la question de la réduction des émissions de CO2 et de l'intégration des énergies renouvelables dans leurs projets. C'est le cas par exemple de Singapour. Pour HDB, qui héberge 80% des Singapouriens, EDF a développé un outil de planification urbaine pour l'accompagner dans son projet de rénovation du district de Yuhua, Jurong Est. Cet outil, qui porte autant sur les infrastructures urbaines que sur la qualité de vie et la santé des habitants, permet aux décideurs d'atteindre des objectifs ambitieux en termes de bas carbone, de qualité de l'air et de réduction de la facture énergétique. Grâce à son interface 3D en réalité augmentée, ils visualisent les impacts de leurs décisions sur les quartiers à rénover ou les futurs aménagements, mesurent la performance d'une toiture solaire selon sa situation et son orientation, sélectionnent les solutions qui optimisent l'efficacité énergétique ou encore identifient les espaces urbains à végétaliser de préférence. Nos solutions pour le climat.